Chers téléspectateurs, bonsoir. L'île Maurice malade politiquement et socialement. Nous avons deux alliances politiques, bonnet blanc, blanc bonnet. Hier, Béranger Djagnac, tu peux mettre gâteau l'anniversaire dans la bouche un à l'autre, contre Ramboulam et Duval. Aujourd'hui, Béranger Ramboulam, pendant Sega, je peux tous s'allier ensemble, contre Djagnac et Duval. Ces deux alliances politiques-là, pas intéressées avec ou problème, surtout avec l'or et l'odeur dans le pays. Je tous les deux, peux courtiser une seule communauté minoritaire pour gagner le vote. Pour lui, vin, comme El Paso, ville sans loi. Même invite tous les Mauriciens, sans distinction, pour marcher depuis la gare du Nord jusqu'à la gare Victoria, en passant par les rues Farquhar, Quai, la Corderie Royale, Rémi Ollier, Bourbon, Sir William Newton, la Chaussée, Sir Célie Courantelle, Edith Cavell, Dumas, etc. Guettez si vous êtes capable de marcher le trottoir. Si vous avez une place pour gare ou l'auto, pour rentrer dans ma bazar pour lui et dans le magasin. Piéton pas satisfait, propriétaire magasin mécontent, chauffeur taxi peut protester, ban maraîcher qui fin gagne un lot de la Cour suprême dans votre faveur, je peux plaigner. Touriste peut agacer, personne pas senti zot en sécurité. C'est une administration municipale malsaine, corrompue et pourrie. Pourtant, nous avons 12 députés élus et un nommé dans pour lui. Nous avons un lot maire MMM actuellement. Nous finissons aussi leur maire PMSD, leur maire MSM et leur maire travailliste. C'est ça qui est le problème numéro un, leur NO2 qui bisait régler. C'est une la honte pour tout le pays. Parce que ni Béranger, ni Ramboulam, ni Djagnac, ni Duval pas capable de régler ce problème-là. Parce que, comme Glover, président de Equal Opportunity, vient dire dans son rapport, le communalisme et la politique. Ça même deux plus grandes causes de discrimination dans la République de Maurice. Béranger finit déclarer qu'il est pour régler ce problème-là après élection le 10 décembre. L'IFOS, après le 10 décembre, il y a un tsunami et qu'un rat de marée marche ambulant dans pour lui. Tout bon professeur qui est en congé pour une marche ambulant. Moment Béranger au défi. En mars 2013, l'étudiant m'a maraîché pour lui 3 mois pour lui régler notre problème concernant les marchands ambulants. Après 21 mois, il n'a pas encore trouvé une solution. Alors qu'il m'a fini de dire le gouvernement prête les municipalités pour lui, seulement pour une bananée et même pour régler ce problème-là. Ou bien pas oublier qu'en mars 2013, Béranger déclare son maladie cancer à la gauche. M'ont prouvé qu'il ne sait pas vrai parce qu'il n'est pas fini de produire. Preuve médicale. L'itifère où tout le monde pleurait. Oui, ici où tu pleurais. Où tu fais la prière pour lui. Djagnac et tout sur l'équipe MSM, tu as le grand bassin pour faire la prière pour lui. Mais pendant qui, où tu peux pleurer et prier pour lui, lui tu peux rire. Lui tu jouer avec ou sentiment et ou l'émotion. Lui tu peux embête ou pareil comment il peut faire ou actuellement. Même un journaliste. Tu finis tombe dans ce piège. Cependant, ce qui fait mon chagrin, c'est qui la presse, les radios et la MBC TV boycottent même. Moi, donne-nous seulement 3 exemples. L'Express publie la liste candidat numéro 6. Il mentionne parti malin, parti fou, parti couillon, mais il n'est pas mentionné que Sylvie François, Clément Sinaya et Guyane Sinaya du MAM peut poser numéro 6. Le Mauricien hier annonçait que Jackson Mankin pose au numéro 2, alors qu'il y pose avec moi et Bianca Agathe au numéro 1. La MBC TV pas annonce le nom de Guyane Sinaya, candidat au numéro 6. Pourtant, c'est moi seul qui t'y vote contre l'IRA et POE, Public Order Act, qui t'y compte ban travailleurs et ban journalistes dans les années 70. À cause de ça, je t'y tire moi comme député speaker et remplace moi par Youssouf Mohamed. Chers téléspectateurs, merci de votre attention.